Dans ma position, je ne voudrais pas parler d'abord du gouverneur comme politicien, mais je voudrais parler plutôt de ce qu'il a fait, de bien qu'il doit, qui implique aussi la collaboration de la population. Je suis vraiment heureux de voir de bonnes initiatives prises, construction des routes dont le Kinois a besoin. Je crois que quand ça va se terminer, il y aura une fluidité dans la circulation. Et je salue surtout le programme appelé Kinbopeto, où l'on voit un début de changement. Le gouverneur a pris de bonnes initiatives, il faut le saluer. Même les routes en construction, là, ça demandera un entretien, ça demandera une compensation. Si on commence à se servir des caniveaux comme de poubelles où on doit jeter les ordures, mais on aura dépensé l'argent pour rien. Donc, tout en félicitant le gouverneur pour cette initiative louable qu'il a prise, et plaise au ciel qu'il ait des moyens pour ça. J'ai suivi avec joie la signature, je crois, du partenariat entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour se rendre compte qu'en passant par l'IMET, les choses changent. Non, il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître ça.